Pardon, hein, mais juste, nous avons aujourd'hui un déficit public record, un déficit budgétaire sans précédent, et je m'apprête effectivement à hériter d'une situation, si les Français nous accordent leur confiance dans quelques jours, qui va m'amener à faire des choix, et je préfère prioriser les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Au-delà, c'est normal qu'il y ait une progressivité qui se mette en place. Donc il y aura des gagnants et des perdants avec l'abrogation de cette réforme. Par définition.